Cette 18e saison de L'Amour est dans le pré s'annonce riche en rebondissements. Dès la rentrée, la célèbre émission va rythmer la soirée des téléspectateurs sur la chaîne M6. Toujours fidèle au rendez-vous, le public va suivre la quête sentimentale de la pétillante éleveuse d'escargots Perrine, du très réservé Clément et du touchant Patrice. 14 agriculteurs sont déterminés à trouver leur âme sœur dans ce programme présenté par Karine Le Marchand. Ou plutôt 13. Lors d'un point presse en vue du lancement de L'Amour est dans le pré, organisé ce mardi 4 juillet, l'animatrice de 54 ans a révélé qu'un candidat a décidé de quitter l'aventure. Baptiste a trouvé l'amour avant la lecture des courriers. A confié en préambule la meilleure amie de Stéphane Plaza. Avant de poursuivre, c'est des choses qui arrivent. Qui est donc le heureux élu qui a fait battre le cœur de l'éleveur de brebis avant sa participation à L'Amour est dans le pré? Comme l'a révélé Karine Le Marchand, Baptiste est de nouveau en couple avec l'une de ses ex-compagnes. Un retour de flamme dont la maman d'Alia est habituée. Comme chaque année, le passage dans le portrait réveille chez les ex une passion sidérante, a-t-elle assuré. Et de poursuivre, non sans humour, chaque année, cela réveille chez des personnes sensibles à l'image qui se disent, mais c'est vrai que ce con je l'aimais. Je regrette. C'est toi l'homme de ma vie et je te donne tout. Et l'autre, flatté, dit, oui d'accord, j'arrête l'émission. Certains plongent. Heureux papa d'une petite fille de 3 ans, Baptiste s'était inscrit dans l'espoir de trouver la femme qui lui permettrait de réaliser son rêve d'une vie de famille. Cela semble aujourd'hui chose faite. Supérieur à supérieur à L'Amour est dans le pré 2023, découvrez les portraits des nouveaux agriculteurs L'Amour est dans le pré 2023, Karine Le Marchand déçue par l'abandon des candidats Baptiste n'est pas le seul à avoir quitté le programme. Au cours de cette conférence de presse, Karine Le Marchand a indiqué qu'un second agriculteur n'a pas souhaité poursuivre l'expérience. Afin de garder le suspense, avant la diffusion de la nouvelle saison, la présentatrice n'a pas souhaité révéler son nom. Des décisions qui l'ont quelque peu agacé. Je suis très énervé car on a un nombre de places limité chaque année. On engage des moyens, du temps, on vient tourner chez eux pour les aider à trouver l'amour et quelque part, ils ont pris la place de quelqu'un pour rien. A-t-elle déclaré sans langue de bois. Pourtant, Karine Le Marchand avait tout anticipé pour que ces abandons ne se produisent pas. Si est-il la 5e ou 6e fois que ça arrive en 18 saisons. Pourtant chaque année, je les préviens au moment des portraits. Je leur dis, faites attention. Vous allez passer à la télé, vos ex vont revenir. Les avait-elle mis en garde? Cependant, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Crédit photo, Philippe Caisse-Pascoe NCOM6.